Installez-lui une surface antidérapante et motivez votre chou à vouloir y entrer en y déposant des friandises. Servez-lui ses repas à l'intérieur. Sans eau, donnez-lui confiance en l'environnement. En parallèle, acclimatez votre chou à l'eau, tranquillement et à son rythme. Rendez l'eau agréable. Rendez l'expérience positive et amusante. Sans pression, tout en évitant les conflits motivationnels, le but n'est pas que votre chiot aille au-delà de sa limite. N'avez pas accès à des plans d'eau, mouillez simplement le fond du bain et allez-y comme dans la mini-piscine en y rajoutant de plus en plus d'eau, tout en jouant et en lui donnant des friandises afin de pouvoir l'acclimater graduellement. Ouvrez votre douche avant que votre chiot entre dans la salle de bain. Votre chiot vous fera comprendre si vous pouvez y aller. Attendez toujours son approbation et son pouvoir. Laissez votre chiot explorer et prendre confiance. Votre chiot devrait pouvoir y rester, sinon il faudra davantage renforcer l'étape antérieure. Au fil des séances, bougez votre douche sans éclabousser votre chiot. N'écœurez pas votre chiot non plus. Finissez toujours sans difficulté et lorsque votre chiot veut toujours y rester. On va se mouiller les pattes un peu. Laissez votre chiot se mouiller de lui-même. Tout en douceur, sans demander trop. Le jet d'eau peut être inconfortable pour certains. Soyez attentifs au langage corporel de votre chiot. Maya prépare les bains, donc on va y aller en ce sens. Que chaque étape doit être pratiquée de nombreuses fois. Attention au tapis de léchage. Certains chiots sont inconfortables lorsqu'on approche de leurs ressources.